L'objectif de la fédération est déjà dans un premier temps de créer du lien, de regrouper enfin les associations qui sont dans l'économie sociale et solidaire, hein, et de pouvoir défendre leurs intérêts auprès des différentes instances. La fédération a deux pôles. Son premier pôle, son pôle majeur, c'est le pôle médiation sociale. Parce que nous savons très bien qu'il y a que les usagers, que les personnes rencontrent beaucoup de problématiques et ça génère des conflits. Il est important pour nous déjà d'accompagner cet usager dans ses démarches personnelles, de régler toutes les problématiques qu'il y a autour avant de l'accompagner dans l'entrepreneuriat. Une fois que nous avons commencé à régler ces problèmes-là, là, nous pouvons nous asseoir avec lui et l'aider à la création de son association ou l'aider à mettre de l'ordre dans son association. Parce qu'aujourd'hui, pas mal d'associations ont des problèmes de gestion, de comptabilité, mais d'organisation au sein de leur bureau. Le second pôle, c'est la plateforme technique pour accompagner dans l'entrepreneuriat et les associations et les porteurs de projets. La fédération couvre les îles de la Guadeloupe. Voilà. Et pour le pôle médiation sociale, pour l'instant, nous nous sommes cantonnés au sud Bastille, de Bouillante à Cap-Estime. Nous savons très bien qu'il existe énormément de dispositifs en Guadeloupe. Le problème, c'est qu'ils sont éparpillés et que les gens ne savent pas toujours comment faire. S'il y avait un guichet unique, ce serait beaucoup plus facile. Le problème, c'est que malheureusement, les gens sont livrés à eux-mêmes et il n'y a personne pour leur dire par où commencer. La cohésion sociale dans le sud Basse-Terre, je dirais qu'il y a beaucoup de liens à tisser. Il y a la bonne volonté, il y a une bonne volonté des acteurs de vouloir en tout cas tout faire pour pouvoir développer Basse-Terre au niveau de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Il y a beaucoup de savoir et les gens sont prêts. Ils veulent s'investir, ils ont envie de faire, sauf qu'ils ont besoin de cette plateforme pour les accompagner. J'ai rendu hommage à Lucette Michaud-Chevry. Elle m'a beaucoup bousculée. Elle ne m'a pas fait de cadeau. Mais je me suis rendu compte qu'il faut se battre. Il faut se battre. En tant que femme, nous avons un combat à mener. C'est vrai, dans cette matière-là, elle est un modèle pour moi. J'ai appris aussi qu'aider les autres, ce n'est pas facile. J'en tire ça d'elle, le combat. C'est une femme de combat, c'est une femme déterminée. J'ai appris, j'ai tiré ça d'elle et je lui dis merci. C'est un moment de joie parce que je me dis, ce que je lui ai inculqué, bien faire, résister, faire face aux difficultés ce matin, elle l'a réussi de façon magistrale. Et c'est ça que je voudrais qu'on montre un peu en Guadeloupe. Ce que les jeunes font de bien, on donne l'image en Guadeloupe que nos jeunes sont pires que les autres, ce n'est pas vrai. Nos jeunes font des erreurs, commettent des erreurs, mais j'en ai commis tellement quand j'étais jeune aussi. Par contre, il y a beaucoup de jeunes qui ont des initiatives, qui font des choses intéressantes. On ne met pas ça
assez en valeur. C'est pourquoi aujourd'hui je me suis déplacée, parce que Mylène, après des années à traîner de labeur, elle a réussi un excellent travail de fédération des associations dans la finalité de faire travailler des jeunes, dans la finalité d'être solidaire entre soi et dans la finalité d'être responsable. Lorsqu'on a construit ce bloc de logements, je me suis rendu compte que les logements sociaux, c'était excellent, mais qu'il manquait un lieu de vie, un lieu où on se rencontre. Parce qu'en fait, l'essence, le fondement de la société guadeloupéenne, c'est la rencontre, le partage, la solidarité. Et nous avions construit ce local pour les jeunes, avec des bureaux, etc. Malheureusement, on leur donne tout. Peut-être qu'on n'explique pas assez, ils avaient mis le feu. Revoir Mylène Lacroix, reprendre ce flambeau, regrouper les associations, faire une sorte de fédération, c'est excellent. Parce que la Guadeloupe est en train de se disloquer. On ne parle en Guadeloupe que de violence. On se rend compte que la famille, elle se casse. Alors que le fondement, l'essence de notre société, c'est la joie de se retrouver, de partager. Il ne faut pas perdre ça. Dans une société difficile, on a besoin de se prendre en compte. Moi, je remercie mes parents qui m'ont toujours dit, Lucette, ce n'est pas quand tu es sur une mer calme que tu es un bon pilote. Tu es un bon pilote quand la mer est démontée, quand la mer est difficile et que tu conduis ton bateau à bon port. Voilà ma devise. Et voilà pourquoi les gens disent, à mon âge, je suis... Non, je ne suis pas mieux que les autres. Dans ma tête, j'ai du courage, de la détermination, de la volonté de faire, non pas pour moi, mais pour les autres. Aujourd'hui, je suis fière que cette fédération existe. Et maintenant, mon combat, c'est de la faire accepter sur le territoire, de mettre en place une vraie machine pour que nos enfants puissent trouver cet outil pour leur permettre. Parce que les collectivités, personne n'aura du travail à proposer à nos enfants. Donc si nous-mêmes, nous ne mettons pas un outil de travail pour que nos enfants se prennent en charge et aillent vers cet outil de travail pour qu'on puisse les former et pour qu'eux-mêmes demain puissent monter leur propre entreprise, je ne vois pas qui le fera à notre place.